Salut à tous, c'est Enzo de la boutique DisplayPokémon.fr. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tout petit point sur 3.5. 151 écarlate violet 3.5. La nouvelle extension Pokémon qui est prévue pour fin septembre, mi-octobre 2023. Et on a eu les quantités. Voilà, on a eu les quantités qu'on devait avoir. Alors je vais rassurer tous ceux qui ont commandé hein, sur la boutique, que ce soit sur eBay ou sur displaypokémon.fr. Vous inquiétez pas, c'est validé à 100%. Ce que vous avez commandé, vous allez l'avoir. Voilà. Et ce que je vends maintenant, c'est sûr et certain, vous l'aurez. C'était déjà sûr, hein, mais là c'est vraiment sûr et certain, vous l'aurez. Malgré ça, il faut quand même que je mette l'accent sur quelque chose de très important. C'est qu'il y a eu 50% de cut en fait sur les précommandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les confrères, les autres boutiques comme la mienne, ils ont eu 50% de quantité en moins que ce qu'ils avaient demandé, que ce qu'ils voulaient demander ou que ce qu'ils estimaient vouloir. Et surtout par rapport au coffret Ultra Premium, le UPC, donc le Ultra Premium Charizard, Dracaufeu de l'année dernière. Ce qui veut dire que votre revendeur préféré, qui est très sérieux, qui fait un bon boulot, qui a des avis, lui par exemple, il en voulait... Il aurait voulu, ou alors l'année dernière, il avait des Ultra Premium Dracaufeu 16, et ben il va en avoir que 8. Et il y en a qui en auront que 4. Parce qu'il a fallu évidemment faire un partage du coup. Vous comprenez? Sans compter que les différents fournisseurs, et ça c'est pas que chez un fournisseur, hein, c'est chez différents fournisseurs. Sans compter que justement ces différents fournisseurs-là, eux, ils doivent garder une partie de stock. Parce qu'ils veulent revendre aussi sur leur site pour essayer de contenter tout le monde, genre les auto-entrepreneurs, etc. Et c'est tout à fait normal. Donc voilà, on s'est retrouvé en fait avec un cut de ouf de 50% sur l'Ultra Premium Mew qui va sortir en fin d'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous le voulez absolument, eh ben il va falloir payer cher. Voilà, c'est la réalité, on n'invente rien du tout, c'est la réalité, il va falloir le payer cher parce que toutes les petites boutiques qui l'ont encore à 200€, comme moi je le vendais 220 sur eBay, et d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont fait confiance, vous ne serez pas déçus, vous aurez votre commande en temps et en heure, ne vous inquiétez pas, et ceux qui ont précommandé sur mon ancien compte eBay, même si les commandes ont disparu, nous on les a les traces, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, j'ai un fichier précommande avec votre nom, votre prénom, votre adresse, tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas, et si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit, eh ben, il faut nous contacter, rubrique contact sur le site displaypokémon.fr ou sur le nouveau compte eBay, mais le mieux c'est de passer directement voilà, par email, etc. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je peux pas faire mieux. Ne paniquez pas. Il n'y a pas d'escroquerie, d'arnaque, de je sais pas quoi. Ne vous inquiétez pas. Je suis une personne sérieuse. Donc, ça veut dire qu'il y a moins 50% sur les Ultra Premium. Il y a moins... je sais même pas, 60 ou 70% peut-être sur les mini-tins. Donc les mini-tins, c'est pareil. Ceux qui veulent vraiment des mini-tins, et si vous en trouvez, franchement, prenez-les, n'attendez pas. Parce que tout le monde a été cut de manière drastique. Hein. Je connais pas exactement le pourcentage, mais on sait que c'est quand même beaucoup. Et ça va avoir une répercussion en fait sur tous les revendeurs. Ça va avoir une répercussion sur vos vendeurs préférés, sur les petits vendeurs sur eBay, sur les grosses boutiques également. Miraidon X, sympa. Et le prix va augmenter. Et si le prix ne va pas augmenter tout de suite, à la minute où je fais la vidéo là, si vous trouvez encore des bons prix,
Moi, je vous dis, ça a déjà augmenté dans ma boutique et sur eBay, ça y est, c'est terminé. Hein. Les 200 euros, je m'excuse par avance, mais c'est terminé. Je suis pas en train de vous dire acheter. Pour moi, ça y est, c'est les prix cadeaux, entre guillemets, à 200 balles, 220 balles, ça y est, c'est fini. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance encore une fois. Je vous félicite d'avoir eu un bon prix, parce que là, ça y est, c'est terminé. Et vous allez peut-être vous dire ou penser, ouais, mais il est tout le temps alarmiste, il dit tout le temps que machin et tout. Non, c'est pas vrai. Au départ, je disais, voilà, soyons dans ma vidéo précédente, soyons prudents, juste, méfiez-vous quand même, voilà. Mais là, ce que je disais, bah, c'est arrivé, voilà. Encore une fois, je vais vous le dire à chaque fois que je le dis, c'est pas pour avoir la grosse tête, c'est une réalité. J'ai fait la vidéo sur les 25 ans, j'ai fait la vidéo sur l'Ultra Premium Dracofeu, je fais la vidéo sur l'Ultra Premium Mio, et je ferai la vidéo l'année prochaine sur l'Ultra Premium Noctali, ou Rayquaza, voilà, ou j'en sais rien. Mais si on me demande, je dirais Noctali. Et puis voilà, donc ne vous endormez pas sur ces coffrets-là si vous les trouvez ailleurs, parce que à mon avis, enfin s'ils sont intelligents, mais ça c'est je veux dire c'est propre à chacun, hein, s'ils sont intelligents, non, je veux pas critiquer les collègues, mais le prix va augmenter, ils vont augmenter leur prix, c'est obligatoire, on t'enlève 50%, t'es agriculteur, il y a 50% de tes poules qui meurent. Est-ce que les œufs ils vont rester au même prix? Tu comprends? Les œufs ils vont pas rester au même prix. Tu vas vouloir rentabiliser, gagner un peu plus, tu vas augmenter. Et ben malheureusement c'est comme ça, parce qu'on a des charges à payer, etc. etc. Et donc ben, si vous trouvez moins cher, let's go. Et qu'est-ce qui va se passer en fait, encore une fois là maintenant, c'est que et c'est déjà le cas, on l'a vu depuis ce matin là, l'ultra premium et les mini tins, ils sont scalpés de ouf. 3.5 d'une manière générale, hein. Mais ils sont scalpés de ouf sur les bots en fait. Enfin, ils sont scalpés. Ils peuvent pas encore être scalpés parce que c'est pas sorti, mais vous m'avez compris. Ils sont dans les bots de scalping et c'est déjà préparé. Dès qu'il y a la moindre précommande machin, c'est effectivement scalpé au bon prix. Et voilà, c'est sur les Discord de scalpeurs, on le voit très très bien. Garde voir EX, sympa. On le voit très très bien. Et voilà, faudra pas après quand on va arriver, quand ça va sortir et que le prix il va encore monter, dire bah j'aurais dû acheter avant. C'est trop tard. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour ma part. Hein, ceux qui veulent préco en avance à moins de 200 euros et ensuite à peu près à 200 euros et puis ensuite à 220 ou 250, je sais pas. Faut s'y prendre à l'avance. Voilà, c'est tout. Flingouste. 205 sur 198, sympa. Voilà, je veux pas vous dégoûter. Heureusement, il y a EV3. Il n'y a pas de gros cut dessus. Voire même pas du tout, je crois. Ou alors très léger. Il me semble que j'ai entendu quand même 2-3 histoires de cut. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pas été cut. Je vous dis ça, mais j'ai même pas regardé en vrai. Hein, mais il me semble pas avoir été cut. Et puis, j'ai pas envie de trop m'éterniser sur cette vidéo. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous recommande fortement d'acheter au meilleur prix ce coffret, de pas attendre, de pas écouter ceux qui disent « Oh oui, il y en aura plein dans les supermarchés ». C'est pas vrai. Vous savez pourquoi ils disent ça, ces gens? Ils disent ça parce que... Ah, je cite personne. Ils disent ça parce que ils veulent que les gens, les acheteurs, les collectionneurs n'achètent pas, ne se ruent pas sur les sites internet en précommande et attendent. Et que du coup, à la sortie, si tout le monde fait ça, si tout le monde attend, eh ben, il y en aura beaucoup. Et s'il y en a beaucoup, les prix baissent. C'est logique. C'est la loi du marché, hein, de l'offre et de la demande. S'il y en a beaucoup, les prix vont baisser. La concurrence, elle va être rude, les gens pour vendre, ils vont se bousculer, ils vont vendre de moins en moins cher. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Sauf que c'est une bêtise, parce que ça, c'est une bonne idée, techniquement, ça existe déjà sur les displays. Les gens ne commandent presque plus en précommande, c'est une réalité.
La folie de ouais, en précommande et tout sur les displays, sur les ETB, elle est terminée. Et c'est pour ça que les prix, ils ont baissé. Alors, à mon grand regret, à moi, mais tant mieux pour les clients. J'en suis conscient. Tant mieux pour les clients. C'est important. Je suis aussi client sur plein d'autres choses. Donc, j'ai la réalité comme ça en face des yeux. Maintenant, ça, c'est un peu une bêtise parce que à la sortie, la demande, là, je vous le dis, elle est, je peux pas vous donner les chiffres et c'est vraiment dommage. Elle est, je sais pas, 3 fois plus grande que sur l'Ultra Premium Dracofeu. 3 fois. C'est-à-dire que si j'avais 30 Ultimate Premium Dracofeu vendus en précommande, et ben là, j'en ai eu 90 Ultra Premium Mew qui se sont vendus en précommande. Vous voyez ? Donc, c'est énorme. Ça prouve que la demande, elle est incroyable autour de ce coffret, autour de 3.5 d'une manière générale, et que pour ceux qui vont s'endormir dessus, il n'y aura pas de reprint parce que c'est une 0.5 et que il n'y a pas de reprint, en fait. Il pourrait peut-être y avoir un restock quelques mois plus tard, mais avec des si, on coupe du bois, on refait le monde, on met Paris en bouteille, j'en sais rien, moi, ce que vous voulez. Donc, la réalité, c'est que la demande, elle est tellement forte que à la sortie, on est déjà là, on est à 1 mois, 2 mois de la sortie, j'en ai presque plus. C'est pour ça que j'ai augmenté mes prix. Que les autres concurrents, confrères, ils vont faire pareil, parce qu'à un moment donné, la demande est tellement forte qu'ils vont plus en avoir, ils vont finir par augmenter les prix, et ceux qui vont arriver en dernier et qui vont dire « bah j'ai attendu que ça arrive en supermarché », ils vont se faire scalper les dents par des bottes et par des gens qui viennent avec une toile de tente à 5h du matin devant le magasin. Voilà ce qui va se passer. Donc je veux pas être alarmiste, moi je m'en fous, ça y est, mes précommandes, elles ont été quasiment toutes vendues. Je remercie infiniment tous ceux qui m'ont fait confiance. Je vous remercie vraiment. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le prochain Ultra Premium. Voilà. Et pour ce qui me reste, bon, bah, les prix sont plus chers, mais en temps voulu, ça partira aussi. Ça partira aussi. Quand le marché il va comprendre que ça y est, il n'y en a plus, et ben, ce sera le prix normal. Et aujourd'hui, pour moi, hein, c'est le prix normal. C'est 419 €. C'est un prix qui est logique aujourd'hui. Il n'y en a plus, en précommande, en stock, dans beaucoup de boutiques. Et ça va être la guerre, en fait. On est à 2 mois de la sortie, je vous rappelle. C'est juste incroyable. Franchement, c'est incroyable. Alors bon, parenthèse, EV3, ça arrive d'ici 2 semaines. Il y en a qui l'ont déjà eu, qui l'ouvrent. Tant mieux pour eux, ils se font plaisir. Il y a des cartes super sympas dedans. On aime, on n'aime pas les Dracofeu. Moi, je les trouve magnifiques. Et donc, je la trouve superbe. Et profitons-en, c'est tout, en fait. Profitons-en. Et ce que je disais, c'était surtout arrêtez de croire que ça, c'est Noël tout le temps et que vous allez toujours avoir des displays à 150 €, 155 €, 160, 165 €. Aujourd'hui, un display, si vous voulez respecter votre revendeur préféré, si vous voulez le respecter, hein, le minimum, c'est 179,90 €, 180 €, c'est les prix que je mets. Parce que derrière, nous, on le paye en hors-taxe, on paye en TTC chez différents fournisseurs, donc on les paye plus cher, hein, on est autour des 145, 150 € déjà. Moi, je fais livraison gratuite, donc... putain, je m'arrête plus de parler. Donc après, je gagne quoi, en fait ? Une fois que j'ai payé, moi, reversé la TVA et que je paye mon impôt sur les sociétés, les différentes charges, etc., qu'est-ce qui me reste, voyez ? Faut pas croire que c'est l'Eldorado non plus, hein. Donc voilà, faut pas enlever le pain de la bouche des gens des fois, surtout quand ils font un bon boulot et que vous êtes content et qu'ils vous mettent des cadeaux, vous verrez, voilà. Allez, plein de bisous.